sur GoldenEye, cette fois-ci, mort à mission. Bon, avec beaucoup de plaisir. Il me reste pas tellement en plus de missions, hein. c'est vraiment chiant. Nous sommes partis. GoldenEye, le retour, souvenons-nous, on était bloqué sur cette mission. Cette mission apocalyptique où je commence avec un PP7 alors qu'avant j'avais un lance-roquette. Et c'est parti. Donc, il faut que je me remette les contrôles en main. Ça va être compliqué là. Hein. Si déjà le début de mission je le merde, ça va être sympa. Merci, merci Tanda. Voilà. Par contre, petite chose que j'ai découvert, tout à fait. Oups. Tout à fait plaisant, en fait, il y a ce flingue-là, juste là. Alors, est-ce que j'ai repris toutes les armes? Non. Non, mais ça va être compliqué, hein. Si je commence comme ça, ça va être... Oh là là, quelle merde. C'est pas ça que je voulais. Bon, normalement, à partir de là, je me débrouille moins mal que ce que... jusqu'à maintenant. Souvent ça va mieux. Mais c'est pas gagné, hein. Le mec il remarque pas qu'il y a deux balles qui lui sifflent autour des oreilles. Ouais. Ah merde! La porte s'est ouverte. Meurs. Ah, ça va être compliqué là. Là je veux bien. Oulala! Ah! Une porte. Non, c'est fermé. Ah, j'ai chaud à mon petit cul là. Mais il n'y a pas de jeep. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, merde. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, j'avais vraiment commencé, mais comme un caca. Du coup, on va essayer de recommencer, mais cette fois-ci en étant moins un caca. On va essayer. Ah, et dire qu'après j'ai jungle et j'ai... Oh. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ce jeu? Qu'est-ce qui m'a pris de me dire, mais attends, il était bien le jeu avant, il devait faire des trucs, c'était bien. Thank you.
je vais y aller. Les mobs qui apparaissent pas, ça c'est bon ça. J'ai pris toutes les armes, non? Tire sur ton pote! Voilà, pourquoi vous tirez? Qu'est-ce que vous voulez? Et le free Andy Fire, le mec. Je sais pas si je l'ai eu celui-là. Oui. Bon, là j'ai un peu fait mon bourrin. Mais comme quoi ça passe en bourrin. Tu as un bourrin un peu stylé quoi. Pas juste un potasson. Bonjour, au revoir, merci. Ah non, mais ils arrivent quand les loups? Oula, pas. Non, mais vous savez pas que je suis dans les toilettes. Blindé les toilettes. Hein. Bonjour monsieur. Oulala. Et dire qu'après je vais faire Perfect Dark. Non mais laissez tomber. Mais. Il n'y a personne là, j'ai tout tué. Ça me paraît bizarre, tout le monde qui avait des gens. Le jeu me dit, bon bah vous êtes pas très bon monsieur, alors on va vous simplifier la vie. On voit que vous galérez, alors on va vous aider. Bon, remarquez, ça passe aussi vachement mieux quand je tire pas dans les armes des gars. Ça, c'est un truc qui me... qui m'horripile au plus haut point. Ah oui, non, cette mission. Oh. Bah, dis donc, monsieur, pourtant, ça se fait pas, ça. Ouais, c'est vrai. Oui, j'ai refait un petit peu de Perfect Dark pour tester déjà, voir si la arme fonctionnait. Elle fonctionne, elle est un petit peu dégueu sur certains points. Mais ça, globalement, ça va assez bien. Mais c'est vrai qu'il y avait la mission avec la négociatrice et le sniper. Oh là là, ça va être chiant. J'ai téléchargé Mission Impossible aussi, mais du coup, avec les armes, ça va pas être la galère. Pourtant, Mission Impossible, il est cool. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Bon, alors jusque-là d'habitude ça va relativement bien.
putain de grimpe. C'est là que ça devient compliqué. Oui, cette grande 3D. Alors déjà, il faut sauver Natalia, et ensuite... Voilà. Et ensuite, il faut faire ça. Avec une visée absolument dégueulasse. Ok, combien de temps? 37 secondes, très bien. Et j'ai 71 machin. Et si t'as plus de mune, bah du coup t'es un petit peu baisé. Tu peux le faire avec, avec d'autres trucs, voilà. Et ça prend beaucoup plus de temps. Oui. Cassos, cassos. Je sais que vous êtes là, bande d'enfoirés. Tire bien. Au secours. Ah oui. Ah non. Non. Natalia, putain. Natalia. Ben non, j'ai pas sauvé Natalia, elle est morte. Bon. Deuxième round. Enfin, 39e round. D'habitude, quand cette caisse-là, elle pète, je suis mal barré. Oh mon dieu, mais comme ça me fait chier. Ta gueule, toi. Je suis de mauvais poil, arrête. Pardon d'avoir crié tout à l'heure si vos oreilles étaient un petit peu sensibles. L'émotion, tout ça. Mais vas-y. Je sais pas comment vous réglez votre son, du coup je suis désolé. J'ai été pris par l'ambiance merveilleuse de ce jeu. Qui est indémodable! Bien entendu, on n'a jamais fait une IA aussi bien réussie. Monsieur, je sais que vous êtes dans les toilettes, sortez de là.
Monsieur! Monsieur! Bon, en même temps, le mec il entend des coups de feu partout, donc j'ai pas très envie de sortir. Ce que je pourrais comprendre. Ah! Ah, mais c'était même pas le gars des toilettes! Il vient d'où? D'où vous venez? D'où vous êtes? C'est quoi votre petit nom? Oula! Oula, 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 oula! Toc toc, c'est moi! Moi qui? Bond, James Bond. C'est pas une blague? Non. Mais c'est vrai. Ah, on sent que je suis vénère, hein, ou pas? Mais en fait, je suis un peu bête, je devrais arriver dans le train, dire rendez-vous, vous êtes cerné. Les mecs répondraient à un truc du style oui, on n'a pas beaucoup dormi. Et puis on pourrait aller boire un verre. Oula. J'aime pas trop beaucoup qu'on essaie de me prendre en embuscade, monsieur. Oula, attention. Tentative de grattage de tête. Ça pue parce que ça veut dire qu'ils sont les deux plans. Et non, mec, il y a une porte blindée en toi. Bah, il faut que je travaille à mes citations, quoi. Mes citations ou mes punchlines. Même combat. Y'a un monsieur dedans, je sais que vous allez venir après, sortez! L'issue de cette bataille n'est pas du tout random. Bon, vous avez fini de faire les oives. Allez! Fermez la porte. Merde, c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. Oh là là, je suis en train de perdre du temps. Et si on pouvait juste passer dessus, ça pourrait bien aussi. Merci. Ah bah, je m'améliore au moins. Ah bah, je me sens moins con, tiens. Alors, je vais prendre un peu de temps pour me stuffer, quand même. Parce qu'il y a quand même des abrutis là en dessous, hop. Voilà, hop 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 hop, on bute tout le monde, tout va bien. Bon, Natalia, tu pointes ton cul avec moi. Natalia, tu ne meurs pas. C'est ce que je te demande.
Et moi non plus, par la même occasion. Attends, attends, j'ai pas fini, hein. Attends, attends, on dit... Je l'ai. Ah oui, merci. Oh, merci, mon Dieu. Oh, cette mission de l'enfer. Oh. Bah, mine de rien, best time 7.40, time 7.40, précision 62, je... Mine de... Ouais, de travailler aujourd'hui, mais j'ai tryhard, hein. Pas en stream, mais j'ai fait la mission pour trouver le Dust Level, le pistolet, Non mais Natalia, va pas devant. Je sais. Il me semble qu'ici, de mémoire, mais c'est peut-être en agent tout ça, il y avait un... Non, le monde n'est pas obligé de le savoir. Ah, monsieur, votre arme, elle fait mal! Oh là là. Je commence très fort. C'est quoi cette caisse, on dirait? Attends. Bon, alors, celle-là, il va falloir que je me la remette en tête, parce que je ne sais plus du tout. Ouais, j'ai un zoom, c'est pas mal. L'infiltration. Ah non, les... Oui, d'accord. Oui, non, ça... Oui, oui, ok. Je me souviens. Malheureusement, trop bien. Enfin, si je tirais sur le bouton, ça tire, ça serait mieux. Voilà. Voilà, alors on va faire un peu de place. Ah oui, elle se tourne. Oui, d'accord, oui, elle est bien. Voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Je vais avoir mal. Je vais avoir mal à ma mission. Ouais, grave. Bonjour, vous êtes à Central Park. Bah, 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 bah. Ah merde. C'est un peu robuste. Non, je voulais me tourner, je voulais pas straffer. Une explosion! Mais non, monsieur, c'est pas une explosion. Oh, Natalia, si tu tires, tu tires. Hein. Faut arrêter de faire la nounou. D'ailleurs, t'as quoi comme arme? Eh, hey, j'aimerais ton magnum. T'as de la chance. Alors, tout ça, évidemment, dans la plus grande discrétion. J'ai buté un troisième gars, mais il est où son truc là? C'est quoi le truc dégueulasse, là, juste là? C'est des liens qui apparaissent pas à l'écran parce que c'est vieux et caca? Ah ouais, c'est bien. C'est la mitrailleuse, là, qui me fait chier. Arrêtez, j'essaie de viser votre mitrailleuse, les gars. Ah merde. Compliqué. Je suis en train de tirer sur une fougère là où j'hallucine. Il y a des mines là. Ah oh. Oh, putain. T'es sérieux avec cette merde là?
tirer derrière. Mais... vous faisiez quoi pour le détruire? Mais il est détruit? T'es détruit? Ah oui, t'es détruit. Oh, j'y ai pas mal. En fait, j'ai gaspillé. J'ai gaspillé 35 milliards de munitions pour tirer sur un truc déjà détruit. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, merci. Je sais pas ce qu'il a tiré. Mais... Natalia, il faut pas te mettre au milieu du chemin. On va... Reste à l'avion, je viens te chercher quand j'ai fini. Parce que là... Ah mais c'est super rapide, pourquoi j'ai tourné autant moi. Mais ils viennent d'où les mecs là? Je suis où? Un petit camp retranché. Encore, j'ai des pantalons. Ah merde, mais j'ai pas utilisé l'autre. Wow. Bon, on va avancer plus loin. Je vais prendre mon temps dans cette mission. Je crois que... Oula. Ça s'appelle Agro le mob. Agro le mob. Oh oh. C'est vrai que ce niveau est pas très musical. Bon, ça permettait de t'immerger dans l'idée de la jungle. Moi, j'aimais bien ce niveau avec une bonne maniabilité. J'aimais bien ce niveau. Je trouvais qu'il était très immersif comme ça, avec les palmiers, les trucs. J'aimais beaucoup ça. Tu pouvais vraiment la jouer à infiltration, tu pouvais vraiment... Je me souviens plus. Il y a un truc avec ce pont, mais je me souviens plus ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai pas des mines. Ah oui, ben voilà. Merci. Bah, t'es où, chérie? Évidemment, je change d'arme. Alors, ça, c'est le truc qui va vraiment me casser les couilles. Ça, c'est très clairement le truc qui va vraiment me casser les pieds. C'est le mob qui disparaît. Ah, bah voilà. Maintenant, on parle un langage que j'aime. Oui, non, on est d'accord. Bah, la cigale cubaine, une cigale extrêmement réputée dans le monde entier pour son bruissement bien spécifique. Voilà, là, donc je sais qu'il y a un mec, mais il a disparu, donc et ben voilà, ça c'est parfait. Ça, je suis bien obligé de m'avancer, c'est dommage. «
Ah, mais j'ai ça, fallait me le dire. Couvre-moi. Mais non, mais non, mais non. Je couvre personne, tu laisses tomber. Moi, madame, je couvre personne, c'est trop dangereux. Je sais pas tirer. C'est legit, ça? Bon, je vais peut-être pas faire ça parce que je sens que ça va me tomber sur la gueule. Alors, par contre, si j'y allais armé, je pense que ce serait plus safe. Je dis ça, j'ai rien. La cigale met le bas. Ouh, bonjour messieurs, dames! Bonjour, je suis représentant en aspirateur. Est-ce que l'un de vous aurait par hasard déjà un chez lui? Non? Personne n'est intéressé à l'achat d'un Dyson hyper aspirant tout Bataclan? Non? Sinon, on vend aussi des armes. Mais ça c'est moins legit, hein, on le dit moins ça. Bonjour. Salut, je chasse le moustique. J'aime quand même bien mettre le feu. Elle va pas loin, ce grenade à la con. C'est quoi? On m'a vendu du rêve et c'est minable. Non mais. Ça sert à rien quand même. Merci, Nathalie. Et paf. T'as vu ça, le headshot? Il avait un casque, c'est pour ça qu'il fait deux coups. Et avec vos fusils d'assaut, vous faites quoi là? Hein? Hein? Vous faites quoi là? Hein? Tu le sens, le pouvoir de James Bond là? Ah là, meurt bien d'une hémorragie. Ah merde. Les mecs se font abattre, mais il n'y en a pas un qui veut bouger. Ah mais c'est rien, ça va passer, c'est sûrement des rats. Une indigestion, on se détend. Ah, il y en a un qui a décidé de venir derrière la caisse détruite. Il y en a un qui a disparu comme ça, on ne sait pas pourquoi. Il va avoir mal au côté. J'espère juste que les mecs sont pas infinis. En fait. Parce que là, je m'amuse. Ah, mon poignet! Merde, j'ai tiré dans le casque. Quand même des putains de mon casque. Hein. Ouais, alors ça c'était par contre vraiment pas très malin. Parce que je vais me faire bien déchirer la tête. Bon, on va aller rechercher un gilet pare-balles. Pendant que Natalia finit de défourailler. Parce que bon, t'as raison. Hein. Ah, il est où j'ai pas mal des plus. Je suis très déçu. Vous pouvez également, si vous tendez bien l'oreille, entendre le son du paon qui fait Léon, Léon. Bonjour. C'était pas ça qu'il fallait que je détruise. Alors, soit je peux les choper. Non, il faut que je les détruise, je crois.
Éviter ça. Très beau lancer. Le son du pan. Ouais. Ouais, pas mal. 5 balles. Oh putain. Oh mais il faut absolument que je retrouve J. Parce que sinon je vais vraiment me faire... Mais elle est morte, machine, ou elle fait quoi? Non, elle est... Non. Escort not... Non, ok, bon. Parce que, évidemment, je n'ai plus de munitions pour rien du tout. Ce serait très dommage. Ah si, j'ai une grenade à main. Et 5 mines. On va aller loin. Je vais balancer les mines sur les mecs. Comme des disques... Comme des shurikens. Ah, bonjour. Body armor. Je fais du morse. Alors là, soit j'ai dit SOS, soit j'ai dit OSSO. Je sais plus... Bonjour, machine. Dis donc, t'aurais pas des balles, par hasard? Non, t'as pas la gueule à avoir des balles. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Une légère mais discrète entrée en force, je rush au milieu, et puis on serre les fesses et tout ira bien. Ou alors, on peut appliquer la technique malgache. Jette grenade. Redémune. Histoire de les épater un petit peu. Merde, je peux pas passer par là, évidemment. Passons dans le feu, ça fait pas de mal. Voilà. Donc, c'était bien la technique malgache qui a fonctionné. Petit jet de grenade, et ensuite, on fonce. Ça marche bien. Alors là, ce niveau... ce niveau, c'est un niveau de merde. Mais vraiment. La petite musique d'ascenseur est tellement énorme. Bonjour. Voilà! Tu fais quoi, toi? Oh, sa mère, ça fait mal! Ah mais non, mais je me set up et... Wouah, ta, j'avais oublié qu'il y avait le temps. Comment tu veux que je fasse ça, moi? Allez, vas-y, c'est très bien. On est bien barré. Tout va bien se passer. Merde. Bon. Je pense que je vais boire un peu de coca. Hein. Ah bon? Parce que mourir en action, c'est pas ça. Non mais la petite musique. Ah oui, non, mais c'est bon, elle est mortelle. Bon, file-moi ton arme. Ah, elle m'a même pas filé son arme, la conne. Chier. Ah,
tout ça parce que je voulais son... son revolver, quoi. Au moins, le truc, il tire à travers les murs, et au moins, le truc... Alors... Avant, ouvre-toi, voilà. Non, non, toi, tu ne tires pas dessus. Aïe, aïe, aïe. Merde, je suis James Bond, mec. T'es un figurant à deux balles. Oh, mais elles font tellement mal. Au secours, aidez-moi, je me fais tirer dessus. Bon. Ça ne marche pas comme ça. On va essayer autre chose. Salut, M. Rosalie. Bienvenue dans l'enfer de GoldenEye. Tu joues pas à Minecraft, du coup? Attends, mais il n'y a pas moyen de l'avoir comme ça. Je sais. Ouah, 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 ouah. Attends, hop, hop, hop. Mais si je revise, je m'enlève. C'est ça. Bon, hop. Ça, c'est, je crois, pas la technique à appliquer. Il me semble que c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est pas legit. Ah, attends, j'en ai une là. C'est bon, easy. Ok. Mais... Ensuite, il faut que je... au pixel. Ah, bon, moi j'ai eu la grosse qui est là. Ouais, putain, mais elle est à la frame le machin. Mais vas-y. Merci. Ok. De mémoire, il y en a trois à l'entrée. De mémoire, hein. Peut-être que je me trompe. Ensuite, ici, c'est fermé par une clé. Bonjour. C'est maintenant qu'il faut aller chercher Joséphine. James, tu es merveilleux. Bah écoute, on peut aller faire des trucs dans l'ascenseur si tu veux, il y a une petite musique sexy. Non, 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 mais comment ils ont codé ça? Oh là 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 là. Alors là, il y a un tunnel à la con avec un peu de billes au fond, un deuxième. Et si je me trompe pas, là aussi, il y a plein de débiles. J'ai entendu une grenade. Ouais. Oh merde! Voilà. Ils disent de mieux en mieux, hein. Petit fumier. Après, évidemment, je ne vois plus rien. L'effet de fumée était pas mal hein, pour l'époque, franchement, très limité au
trop pixel, mais je trouve que c'était vraiment cool. Alors, on reprend les mines. Ah, par contre, les hitbox de merde qui traversent l'écran, c'est pas terrible. Non, pose ta grenade, mec. Fais pas le con. Alors là, il y a un milliard de gars. Je sais plus si là je dois aller ou pas. Hé, avance. Bonjour, je viens en ami. On va redéfinir le mot ami. Hein. Ah merde, les jumeaux. Je crois que c'est bon, je vais tous lui. Là. Là, si je me souviens bien, c'est Boris. Ouais, un Medal of Honor, pourquoi pas. Mais je dois bien admettre que ça fait très longtemps que j'en ai pas touché un. Hein. Je sais pas si... Salut, Boris. Qu'est-ce que je dois faire avec toi, déjà? Je dois pas te mettre une balle en pleine tête. Attends, je regarde ma montre et ma mission. Protéger Natalia... envoyer une aide de strat... Ok. Ça n'a annulé aucune mission. Oui. Je vais faire ça. C'est un peu le ménage, quoi. Ensuite, il faut monter. Je sais qu'il y a d'autres. C'est ouvert. Wow, 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 wow. Pardon pour les cris. L'émotion, tout ça, tout ça. En fait, si je me recule, je vais pas pouvoir ouvrir la porte comme ça. Là, on évite de tout péter. Là, on peut tout péter. Je sais plus combien il y a de... Oh. Le mec est extrêmement détendu. Je crois qu'il y a 6 ordinateurs, si je me souviens bien. On va tout avec une arme, c'est bien. Si j'ai mémoire bonne... Il n'y a pas, là. Mais je pense qu'après, je vais... Ah oui, là, il y a un gilet pare-balles. Je pense qu'après, je vais essayer de faire un... Bon, Perfect Dark. Mais j'aimerais bien refaire le Duke Nukem. Seulement, évidemment, si je fais un Duke Nukem, il faudrait que ça soit sur... sur PlayStation. Parce que celui sur Nintendo... celui sur 64 est... Et censuré à fond. Mais ça me plairait assez de refaire.
Bah sinon, comme dit tout à l'heure, Sierra, il y a. J'ai quand même téléchargé 2-3 autres. Merde, c'est pas ça que je voulais faire! Quand même téléchargé 2-3 autres trucs. Notamment Wolfenstein sur PUE. Notamment Wolfenstein sur 64, je crois. Je sais plus sur quelle console j'ai été chercher. Mais ça pourrait être cool. Parce que pour l'instant, en fait, tout ce qui est console, PlayStation et autres, j'ai du mal à le faire tourner parce qu'il manque des pilotes pour. Du coup, c'est un peu embêtant. Et pilote que je n'arrive pas à trouver sur internet. J'ai pas compris un truc. En même temps, je suis un peu une quiche en informatique, mais. J'ai pas tout compris. Bref. Alors, il y en avait un là. Bah, il est où? Ok. J'ai fait cramer celui-là au-dessus. J'ai oublié. Par là. Ah non, c'était fermé. Bah, il est où le dernier? Oh, je suis perdu. Eh, je vais pas. Il faut que je tape ça, en fait. Non, pas ça. Bon, je vais aller chercher Natalia. Mais ça va être la merde parce qu'il va y avoir plein de gens. Et cette chère Natalia n'est pas vraiment taillée pour encaisser des tirs. Salut Cocolette! Bah t'es où? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas compris un truc? Qu'est-ce qu'il y a? Bah elle est où? Ah, est-ce que par hasard j'aurais pas dû détruire les trucs avant? Ce qui semblerait un petit peu logique en fait. Un peu con, je suis. Du coup. Ouais, voilà. Bien. Bon, on me dit de détruire, je détruis quoi. En plus, il faut trouver l'ordre. Non, monsieur! Waouh! Alors. Mais il faut arrêter de tirer! Tu ne me vois pas! Alors. Essayer de. Ah. Ça va être au pixel. Putain de viser à la con. Utiliser un merde. Oh. Bah, je notais, j'ai rien dit. Entrée.
Pendant ça, il y a quand même des gardes qui ne bougent pas de leur place. On voit leur mitrailleuse se faire désinguer, mais non, ça tout va bien. On gère total. Ah, t'es où? Ah mon dieu, c'est un roux. Le salon. Du coup, est-ce que je bute Boris? Qu'est-ce qu'on fait? On bute Boris? Ah, je commence à prendre la main. Je vais peut-être finir par finir le jeu. Finir par finir le jeu. Ça me paraît bien. Bon, mademoiselle, ouvrez la porte. On est 7. Enfin, mon Twitch me dit qu'on est 7, c'est fou ça. Natalia, ouvre popote. Merci. Alors, raté. Il est goupillé, voilà là où je vais. Bonjour! Faites les cons! Ouais, ça change direct vos produits, ouais, clairement. Et les gars, faites les cons avec vos grenades! Merci, c'est ce que je voulais! C'est parfait! C'est moins parfait! Bon, en même temps, un Nuzlocke Challenge sur Pokémon Gold, je le redis, hein, je comprends tout à fait que ça ne motive pas les foules. Ah non! Jimmy s'est fait tuer, son frère jumeau aussi! Où sont les autres? Premier, go! Ah non, il a échoué, le deuxième! Non mais meurs vite, parce que sinon tu vas faire gilet pare-balles pour les autres, c'est pas bien. Il est le dernier. Ils sont 4. Ah, fais pas ton timide, mec. Bon, Boris, franchement, je te mettrais bien une balle en train d'attendre. Vas-y, hop, pif, merci. Allez, dégage. Voilà. Où est-ce que ça tire? Bon, j'ai déjà posé les mines. On va y aller tout gaillardement. Hop. Ça devrait suffire, je pense. Dans le doute, on va pas. Est-ce qu'il y a un mec là? Non, il y a personne. Chercher le gilet pare-balles parce que c'est compliqué. Faire péter tout de suite.
chez lui dans les éclairs. Hop, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Y a pas un petit truc rigolo, hein, je sais pas, une arme sympa. Oui non. Il faut que je mette la mine quand même. Ah merde. Bon, j'en ai 5. Il est où le dernier? On va aller chercher notre Lio. Je sais qu'il y en a qui arrivent pas en bas. Mais... Oh là là, ils ont collé ça comme des cucus. Bon. Ça va être le moment casse-burne. C'est parti. Tire-moi dessus, ouais, c'est une bonne idée. Là, c'est tout. Il y a encore en haut, un, deux. Ah merde! Natalia, meurs pas, meurs pas, meurs pas! Faut pas, tu peux pas, t'as pas le droit. C'est pas dans le contrat. On voulait faire un GoldenEye 2, faut que tu joues dedans. Meurs pas. Sois pas bête. Bon, mine ton cul quand même, parce que là... Oh, messieurs les militaires, faut arrêter. L'alarme s'est arrêtée, il n'y a plus de nécessité. Est-ce qu'ils viennent tous d'en haut en fait? Ok. Ah merde, voilà, oui, c'était exactement ça. James, je crève! Il y en a juste... Alors, est-ce que du coup... je sais que j'ai perdu la mission, ça, c'est... Voilà, mais... Est-ce qu'il y a encore des mitrailleuses? Oups. Ah, mais il est là, le dernier. Bonjour. Si je... On va quand même essayer de détruire le dernier machin, voir si c'est vraiment celui-là qui va détruire. Attention, tu passes à côté quand ça va faire boum. Ouais, donc c'est bien le dernier. C'est bien celui-là. Donc je peux mourir, le cœur léger, je connais mes missions. Bonjour! Alors il semblerait qu'il y ait une... Oh! Ah, il y a une petite fête chez Steven ce week-end, si vous pouviez tous vous y rendre.
Ça serait cool. Ouch. Ouais, ok. D'accord. D'accord. Donc, j'ai compris. Bah alors, ma protégée, Natalia... C'est vraiment une mission de merde. Allez. C'est reparti. Essayer comme ça, mais je vais retirer. Wouh! Ouh, on a eu chaud. Oui, non, tout se passe bien. Donc on va bien. On va finir par connaître le niveau parfait. Voilà. Donc pour l'instant tout se passe bien. Dépêchez-vous maintenant, sérieux, merci. Oh la vache. Je vais me faire fermer ma bouche moi. C'est pas moi. Ah, voilà, ça balance les grenades, c'est très bien. Oula! Comment ne pas pouvoir récupérer des grenades? Le problème, c'est que là, je. J'ai plus grand chose. Ah, bah non. Ah, j'ai fermé la porte. Salut Bobo. File-moi ton flingue. S'il vous plaît. Merci. Ouais, j'imagine, c'est toujours les autres. Avant d'aller là, je vais nettoyer le reste de l'étage pour éviter de me faire prendre de l'eau. Voilà. Ça c'est fait.
Parfait, on va pas gâcher le gilet pare-balles. Donc on va le prendre après. Soyons précis, voyons. Petit headshot de famille. Non, t'en fermes pas là. Au moins, l'avantage du jeu, c'est que les hitbox étaient relativement juste. C'est-à-dire que les machins tirent pas forcément trop à travers les caisses. Les hitbox des caisses, c'est un petit peu plus. Voilà. Ensuite. Éviter. Oh, oh, ça c'était pas la bonne idée. Éviter d'avoir trop de trucs qui vont nous empêcher. Aïe. Ah merde, j'ai pas été chercher le. Oh, ça c'est très bien. J'ai complètement oublié de. Ah oui, forcément. Mais normalement, ils sont censés venir d'ici, donc je devrais pouvoir les abattre comme ça en fait. Bien, je me trompe. Ouais, si, alors, bon, évidemment, si je fais ça comme un con, on n'arrivera jamais à rien. Est-ce qu'il y a un coup de l'autre côté? J'ai super peu de PV, ça va être la merde. Surtout quand il y en a 4 qui vont arriver d'un coup. Ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Là il y en a un. Ok, on prend de l'autre côté. Ça c'est bon. C'est bon quand même, évidemment. Mais monsieur, monsieur, non, monsieur, vous avez pas votre billet, vous passez pas. Voilà, normalement c'est là où ça va demander. Donc là il y en a un, et normalement du côté aussi il y en aura un. Natalia, faut te dépêcher. Je sais pas pourquoi parfois il déloque, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de visée automatique. Là, il y en a un qui va sortir.
Dès qu'elle va, dès que l'objectif va être rempli, il y en a un qui va se pointer là. Les deux là. Voilà, là il y a machin là. Et normalement au fond. Alors Natalia Foucault, toi bien. Ok, normalement elle est sécure. Bon. Bon, je vais chercher le. Voilà. Objectif A complet, ça c'est bon. Objectif B complet, ça c'est bon. Il me reste plus que l'objectif C, c'est très bien. Eh ben, je suis assez satisfait pour le moment. Bon, faut pas que je me merde là, mais dans l'ensemble, ça c'est bien passé. Il est où ? Monsieur. Ah ! Je vais m'en aller avant de cliquer la conque dans la tronche. Est-ce que je dois revenir au début? Est-ce que je peux revenir au début? C'est la question. Ah, c'est fermé. Alors, on va éviter de mourir. S'il vous plaît. Si je passe par là où Natalia est passée, ça marche ou pas? Bon, ok, j'ai compris. Je dois aller jusque chercher l'autre machin. Ok. Monsieur, ça sert à rien d'aller là où tu vas. Wow, je transpire des mains horriblement. Et ça glisse, c'est dégueulasse. Il est déjà où l'ascenseur? C'est celui-là. Travelian, salaud! Allez! C'est la petite musique d'ascenseur. Ouh! J'ai chaud. Ah. Faut que je fasse ça en moins de 10 minutes. Oh, oh, cette mission. Merci, merci. Je suis assez content d'avoir mis que deux fois à la faire. Là, sur le... Waouh, c'est quoi ça? Je crois que j'avais une double arme. Tant pis. Si ça a tué des gens, tant mieux. Si ça a tué des gens, tant mieux. Wouah, comment j'ai fait pour aller là sans voir les deux gars? Et sans voir les 45 derrière? Mais... Monsieur, vous n'existez plus à un moment dans le jeu. Alors, attends. Attendez. Salut. Je dois vous... Je dois minimiser... Alors, évidemment, j'ai pas lu. Détruis les machins, très bien. Détruis les machins, très bien. Détruis les machins, très bien. Minimise les sciences... Ouais, non, mais... Ouais, deux ou trois...
Monsieur le scientifique, faudrait voir pour dégager. Mais barre-toi! Mais casse-toi! Oh putain! Il va faire péter les trucs après. Aïe, 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 c'est qui me tire dessus? Bon, là j'ai fait le con, j'admets. J'avoue humblement. Là... Mais! Bon, écoute, mec. T'es con, ouais. Oui, il est devenu par accident, scientifique par accident. Je crois que sa qualité principale... Bon, remarque, pour travailler dans un labo comme ça, la qualité principale qu'il faut avoir, je pense que c'est pas l'instinct de survie. Donc du coup, c'est encore legit. Excusez-moi, oui. Oui, c'est à vous que je parle. Ok, ça c'est fait, je vais changer d'arme. Ah, ces grandes et belles étendues d'eau. Ça c'est un endroit de merde, ça. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est un endroit où je suis mort plusieurs fois en difficile. Ah bah non, ça va. Bon, un bugu là, tu sens la porte. Tu sais, j'avais souvenir qu'il y avait plus de monde. Oh mon dieu, il s'est passé quelque chose! Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien, arrêtez. Il y a eu un malaise. L'ivresse des profondeurs. Toi, visiblement, je t'ai tiré dans l'arbre. Désolé, je voulais pas vous achever. Mais on m'a obligé. Merci. C'est lui qui faisait ça, mec. Il y a un petit peu de ça, effectivement. Alors, je sens que je vais être alpagué. Pas normal, il y a trop de mumes. Voilà. Ça a un tir dans le mur. Il n'y a pas plus de munitions dans le mur. Enfin, si par hasard, dans une de ces caisses, il y avait un gilet pare-balles, je pense qu'il est calme. Bonjour. Non, tu ne m'auras pas là. En haut, en bas. On va aller en bas. Et c'est cool qu'ils aient mis de temps en temps des mines dans les caisses. Ça fait très roleplay. Ouah, je sais pas tout ce que je chope, mais c'est cool. J'ai pas plus de grenades, je suis très déçu. Les casiers explosifs, on en rigolait dans le niveau 2.
Par contre, dans les casiers, c'est le néant, il n'y a rien. Et le petit passage secret à la con. Qui me tire dessus? Qui êtes-vous? Déclinez votre identité. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Je vais me faire tuer comme un... Oh, je suis coincé. Une caisse? Non. Ah, mon dieu. Ah, j'ai... Bon, ok, d'accord. J'ai la carte à code. Très bien. Très bien, très bien. Mais là, je l'aurai que dalle. S'il y a un mec qui se pointe, c'est fini. Avec les caisses... Enfin, avec les casiers... Je suis mort. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Je sais pas si c'est, ça qu'il faut que je détruise. Oui, c'est ça qu'il faut que je détruise. C'est encore des gens. Excusez-moi. J'ai demandé s'il y avait encore des gens, pas des mitrailleuses lourdes. Voyez-vous? Waouh! C'est quoi ça? Ah! Non, pas derrière les casiers explosifs, je vais me faire avoir. Là, ils tirent d'où les gens? Les mecs ils m'ont. Les mecs ils m'ont canardé d'où? Les tirs ils m'aiment bien là. Bref. Oh, excusez-moi, j'ai pas coupé le micro. Ok. Bon, jusque là tout va bien. J'ai pas plus de vie, mais tout va bien. Oula. Ah bon? Ah, je les ai tués les trois. Non, là, j'ai remarqué même pas quand je pue des gens. Je suis pas fort. C'est le taf, il vient. T'as des bruits de tir derrière toi, tu te retournes pas. C'est pas un réflexe inné, je sais pas. Bon, du coup, je suis descendu. Je sais pas si... Ok, d'accord. Je me repère, je gère, j'essaye. Enfin. Ces mecs, c'est des Stormtroopers. Ah oui, RC, ça va être bien. Ah oui, ça va être bien. Bah, si le jeu il est gentil, c'est qu'il y a une entourloupade. Alors, on va vite faire ça. Buter machin. Je sais pas si je devrais faire ça, mais ça me plaît. Ah merde!
Ouais, non mais... Je vais me suicider! Je peux même pas. D'accord, donc ça c'était pas bien. Ça fallait pas faire. Ok, j'ai tout cassé, c'était pas bien. Bon, ben... On n'a plus qu'un, comme on dit. Je vais continuer un petit peu l'exploration. On verra si je... Ah, ouais, en fait, je suis là. Ouais, bah l'exploration, elle va se terminer assez rapidement, du coup. Ouais. C'est con, hein, parce que j'avais pas trop mal réussi, sur le coup. Mais bon, il y avait évidemment un scientifique à la con qui se trouvait là. Faut pas tuer les scientifiques, on a besoin... tout ça, là. Ouais, faut arrêter de déconner. Petite musique d'ascenseur. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, représentant en assurance, oui. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça vous intéresse, non? Là-dessus. Là, je vends des aspirateurs aussi. Et vous, aspirateur ou assurance vie? Rien du tout. Très bien. Non mais regardez, vous avez pas un seul de vos copains qui a un cadavre ici. Si c'est fou la technologie. Les aspirateurs et tout, maintenant ça nettoie derrière, ça c'est bon. Bonjour. Ayez la décence de mourir promptement. Bon, alors. Mais tire-toi! Pas bonne idée. Pas la recharge au bon moment. J'en reviendrai. I'll be back. C'est vrai, si je les frappe au point, ça compte pas que... Oh, 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 monsieur, oh. Vous croyez où? Une fête foraine? Oh. Ouais, c'est possible. Bon, en même temps, normalement, j'ai besoin... J'ai besoin que de les menacer. Non, mais, les gars, faut bouger votre cul, là. Tu vas où? Non mais t'es encore là toi? Putain, mais y a un connard équipe ou tu le fais? Putain. Je devrais arrêter de jouer aussi. Bon alors on va faire les équipes de recherche. Alors, il faut mettre un con par équipe. C'est important. Parce que si jamais l'équipe est kidnappée, il y aura au moins un connard qui pourra rien dire et rien faire. Vous voyez, on peut pas tout mettre les bons en même temps. Parce que sinon, on a tous nos œufs dans le même panier. Donc ça va pas. Donc vous prenez un mec, vous lui mettez une chemise blanche, et puis vous dites que c'est un scientifique. Après, quand il est devant l'ordinateur, il tapote sur les touches. C'est pas grave, hein. Vous lui mettez un truc qui relie à rien, ça va passer tout seul. Un petit démineur après, et puis ça. J'avais fait une connerie. Ah mais non, j'ai presque plus de mule. Ah oui,
Oula. Mais vous venez d'où, vous? Tout ça, une hémorragie du genou, en fait. Est-ce que je repasse par là? Parce que c'est vrai que je fais pas grand chose. Je vais repasser par là. Ouais, mais là je les ai tous de face, je crois. Donc si je passe par. Par l'autre côté, ils sont de dos, ouais, ça change pas grand chose, ils sont cons. Hey. Est-ce que je... Attends. Attention, tir stratégique. Ouais, ouais, très bien. Très bien. Non, j'aimerais descendre. Faites ici, s'il vous plaît. Ouais, très bien. Ah, les mecs hyper zen. Vraiment très calme. On leur tire dessus, c'est bon, tout se passe bien. On y croit. On va pas stresser pour ça, je veux dire, on en a vu d'autres. Ah, je vois qu'on me tire dessus pareil. Et j'aime pas ça. Requin est mort, il y a toujours... Ah ouais? C'est vrai? Oh merde. Je l'aimais bien, il était cool. C'est rigolo comme mec. Bon, en même temps, il était plus jeune non plus. Ça semble logique qu'il finisse par Day Say Day. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est bien dommage qu'il soit mort. Ouais, c'est clairement. Mais James Bond a quand même toujours eu dans ses films...
Bah, Legends of Girl, ça, c'est... Voilà. Mais des hommes de main qui sont quand même assez cool. Ah, pas dans tous les films. Il y a le vraiment le mec lambda, le pigeon. Mais après, t'as des mecs qui sont vraiment bien. Et qui ont de la personnalité. C'est pas juste des ploucs moyens. Et je t'ai flingué, quoi. C'est pour ça que les James Bond, c'est des films qui sont bien, qu'on prend plaisir à voir même 40 ans après. Il y a toujours un petit quelque chose. Bon, alors, on va essayer de pas maraver trop... Ah oui, ça c'est pas terrible comme menu pour pas maraver les machins. Je vais faire le tour... Oula. Et ils sont un peu vénères, les gars. Ouais, les Russes qui sont pas là dedans, ça c'est trop. Non, faites pas tout péter de votre côté, les gars. Il va falloir que je les snipe, ça va être chiant. Snipe, on peut changer d'arme. Bon, comment faire ici? Je pense que si je bute pas le scientifique au début... Non mais ils sont trop nombreux, je crois. Oui, requin apparaît dans deux films. Il y a celui où ils vont dans l'espace. Comment il s'appelle? Ah, je me souviens plus du nom. Et puis il y en a un, je sais pas si c'est pas le même, tiens. Où ils rencontrent une miss. Où il y a une scientifique. Non, ça c'est celui où ils sont dans l'espace. Je me souviens plus des noms. Mais les mecs, ils ont vraiment un entraînement de Stormtroopers. Je crois que j'ai oublié le truc. Faudrait que je me refasse une fois une soirée de James Bond. Voilà, plus une soirée, il y a une semaine, James Bond. Rétrospective, James Bond. C'est assez cool, je pense. Excusez-moi. Oui, je souhaite que vous décidiez. Ah, ça doit piquer, oui, ça joue. Ouais, c'est juste ça, ouais. Bon, alors, mec, Putain, les scientifiques à deux balles. Est-ce que c'est un problème de l'IA, ou est-ce que c'est... Ils sont tout le temps comme ça? Bonjour, monsieur, vous êtes con, mais est-ce que vous êtes tout le temps comme ça? Sérieux, je l'ai tué? C'est problématique. Bon ben. On verra bien. Je vais éviter de tuer les autres.
Bah, c'est justement parce qu'il a trouvé la petite amie qui sort de James Bond, je crois, un truc comme ça. Bon, les gars, il faut... À un moment donné, il faut y mettre du vôtre, là. Merde. Alors, c'était pas tout à fait où je voulais te tirer dessus, mais... Mais va pas te mettre dans l'explosion, bon dieu de botte de merde. Ah, mais je suis grossier. Monsieur, il faut... Arrêtez. Salut, Emomimi. Ah, d'accord, donc je l'ai pas tué. Donc en fait, il faut que je les marave concrètement tous à grand coup de paluche. Pardon, Emomimi, si je t'ai pas dit bonjour tout de suite, j'étais un peu occupé à maraver du scientifique. C'est vrai. Bah, je crois que c'est un des seuls bots. Enfin, un des seuls bots. Ah, d'accord. C'est un des seuls hommes de main qui revient. J'ai pas souvenir qu'il y en ait d'autres. Oui, c'est pas très grave si je te dis pas bonjour tout de suite, mais j'essaye d'être réactif un maximum. On est pas suffisamment pour que je justifie trop d'attente. Ah non, j'ai pas vu ton message. Enfin, si, je pense que tu serais venu dans la partie d'avant, là où je devais protéger Natalia, j'aurais rien vu, mais... Un truc en phobe, c'est ben, comme il y a, j'ai mis, hein, xénophobe, etc., islamophobe, musulmanophobe, chrétienophobe, tous les machins où les gens pourraient critiquer et dire du mal des autres gens. Après, si t'es arachnophobe, étant donné que les droits des insectes et des animaux, c'est pas encore tout à fait ça, tu les acceptes quand même. Je sais pas pourquoi je casse ces casiers. Ouais, bah, à mon avis, c'est plutôt Zhao qui a tué le requin. À coup de mâchoire. Mais ben on t'accepte quand même. Tu ne seras pas jugé si tu me dis que tu n'aimes pas les araignées. Oh! Par contre, les caisses explosives et tous les machins qui pètent, ça me commence à vraiment regretter. Je sais pas pourquoi je pète ça. Ça me claque des munitions et puis alors que là il y a des caisses. Comment l'évolution a pu faire quoi? Des araignées? Wow. Mais tu viens d'où toi? Monsieur, faut arrêter. Hihihihihi.
Faut absolument que je me fasse le que je me refasse le James Bond. Surtout que dans toute la liste, il va bien en avoir deux ou trois que j'ai pas vu. Mais vas-y. Mais tu sais, les araignées, c'est des petites bêtes bien pratiques. Hein. Alors, on les aime pas parce que bon, elles ont des pattes et des yeux. Mais c'est quand même des petites bêtes bien pratiques. Puis bon, je préfère des araignées de très loin à tout ce qui est. Oups, là. À tout ce qui est moustique et autres machins dans le genre. Hein. Ça, je comprends pas. Mais à mon avis, les araignées étaient là bien avant nous. Donc, du coup, la question, c'est pas tellement pourquoi est-ce que l'évolution a fait ça, c'est pourquoi est-ce qu'elle nous a fait ennemis. Non, mais le premier Casino Royal, il date d'un million d'années. C'est pas... Enfin, c'est un film à voir une fois quand même pour se rendre compte du truc, mais je dirais que c'est compliqué. Faut pas s'attendre à un grand film. Qui t'a dit Tandar que j'aimais les humains, les chiens et les chats. Bon, les chats oui, je les aime bien. Mais qui t'a dit que j'aimais le reste, hein? Il y a des pattes et des yeux quoi, merde. Non, monsieur, j'ai presque dit, tu peux pas me tuer. J'ai signé pour plusieurs films, tu peux pas. Ou comment vider un chargeur sous l'effet du stress. Ben, Sean Connery est un très bon James Bond. Pierce Brosnan est un bon James Bond, j'aime beaucoup Pierce Brosnan. Roger Moore a donné le ton. J'aime que les hommes troncs aveugles. Non, alors je suis pas comme ça. Moi j'aime les femmes troncs aveugles. Autant que le tronc serve à quelque chose. Voilà, c'était le petit moment. C'était le petit moment où on me tire dans le dos. Ah non, oui, non, on me tire où? Ah, j'ai quand même réussi à foutre une balle dans le poteau. Les mecs ils bronchent pas quoi. Bonjour! Meurs. J'ai pas assez de PV, meurs. Bon, c'est reparti. Toi, t'as un RPC 90. Toi, t'es un salaud. RCP, pardon. Bon, c'est bon, on a fini d'essayer de me canarder et de me maraver dans le dos. Ça va, on peut jouer aux jeux vidéo, c'est bon. Il est où le... Alors, comme d'hab, hein, je vais essayer. Alors, j'aime énormément Daniel Craig. Car il a apporté beaucoup de choses très bien à James Bond. Je trouve que Daniel Craig a apporté une quadrilogie qui est extrêmement bien. Et qui fait énormément plaisir à... Ah putain, c'est lui qui va me faire chier. Et qui fait très très plaisir à regarder. Roger Moore, je trouve qu'il est très bon parce que c'est, je crois, le premier. Qui a incarné James Bond avec toute la classe qui lui revient. Oh là là, c'est compliqué. Il y en a un qui est entre les deux, entre Roger Moore et Sean Connery. Comment il s'appelle? Ah merde. Bah, je vais quand même pas y aller au point. On n'est pas réduit à ce niveau-là, ou bien? Ah mais là, ça traverse. C'est Sean Connery le premier? Pardon, alors. J'ai fait une confrontation.
Oui, Timothy Dalton, merci. Timothy Dalton a des trucs qui sont... Ils sont plutôt anecdotiques, mais ils sont sympas aussi. Et il est où l'autre? Je peux pas me permettre de tirer à côté. Ah. Ça, c'est chirurgical, je m'y connais pas. Monsieur, faut partir. Monsieur, faut t'en aller, maintenant. Le mec, il sait pas ouvrir une porte. Tu veux que je t'aide? Tiens, regarde. Vas-y. Bah, les 007, c'est tout un... c'est tout un univers, je dirais. Si, c'est clair que si tu croches pas à ce genre de film, c'est des films bien particuliers. Bon, bah du coup, ça c'est bien. J'ai rempli toutes les missions. Je peux me barrer. Enfin, je peux essayer. J'ai un film de James Bond, on peut se dire, bon, ça fait partie de la catégorie espionnage, mais au final, quand tu les regardes, il y a plus. C'est... C'est qui celui-là? Il y a un James Bond que je connais pas? Ou c'est un troll? Bon, dites-moi que c'est la fin du niveau, j'en ai marre de tuer des gens. Trahelian, je te tire dessus, tu devrais mourir, merde. Respecte la biologie, enfoiré. Oh là là. Un enfoiré. Oula, 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 oula. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de monde. Vous êtes vilain, arrêtez. Ah oui, d'accord, c'est celui-là, ok. Oui, non, effectivement. Il manque de certaines choses. Alors, on va... Voilà. S'il y a deux mitrailleuses lourdes, là, ça fait chier. Ah merde, je l'avais vu venir le gars derrière. D'accord, ok. Oups, 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 j'ai tapé dans le micro, c'est pas très gentil. Bon, oui. Bon, on recommence le truc, je me suis fait avoir comme un petit minable. Alors que putain, je l'avais vu. Pas très sérieux ça, monsieur. Les gars, faudrait arrêter là. Merci. Ouah, ils sont en millions. Moi, les James Bond, je les connais surtout parce que je regardais la télé le samedi soir à 23h30 sur les chaînes françaises. Et puis, dans le temps, si je puis dire, ils passaient de temps en temps du James Bond. Mais non, mais va pas te foutre devant, espèce de con! Oh, mais quelle espèce de trou de balle, ce mec! Tirez-vous! Toi aussi, tire-toi. Mais GoldenEye est un formidable FPS. Et bah, FPS, putain, j'arrive pas. Ça bouge pas tous. Je
Ok. Bon, par contre, James, il tient toutes ses armes à une main. Hein. Aucun souci là-dessus. Quelqu'un a quelque chose à dire? Non, parce que je l'écoute. Hein. N'hésitez pas. Hein. Ah ben voilà, des gens qui ont quelque chose à dire. Bah écoutez, je vous répondrai très simplement et sobrement, j'en ai rien à foutre. Messieurs, je suis un héros de fiction, vous êtes des méchants. Vous êtes en plus, c'est pire que ça, vous êtes des mobs. Il n'y a pas plus bas dans l'échelle sociale. Donc du coup, mourez et arrêtez de m'embêter. Ouais, bon, ok. Pire que ça, vous êtes des Stormtroopers. Et moi, je sais pas tirer avec un fusil. C'est très bien. Alors là, normalement, il doit y en avoir un qui saute de l'escalier. Ou qui décède. C'est au choix du joueur. On va arrêter. Ouais, alors je disais les Xbox. Oh là là, je sais vraiment. Pardon. Dis donc, Philippe, tu veux pas descendre? Ah, mais il me touche ce con encore. Cette fois-ci, je vais pas prendre la possibilité parce que ça ne sert à rien. Si ce n'est me faire maraver platement la gueule. Arrêtez, voici ma grée. Ça c'est fait. Eh mec! Oh la vache! Bon, ok, j'ai arrêté de faire le con. Je voulais faire un peu de subtil, mais que dalle. Bon, vous me direz subtil au fusil d'assaut. Je vous accorderai le bénéfice du doute. Et le mec au fond, mais c'est ce que j'ai dit, hein, hyper zen, tout va bien se passer, j'ai confiance dans l'avenir. Mon pote se fait abattre devant moi, mais... Mais on est bien, là. Il y a une bonne assurance sociale, tout ça, tout ça. Oula, j'ai mon jeu qui rame. Est-ce que j'ai droppé J'ai eu un petit drop à un moment, je sais pas si c'était juste maintenant. Mais sinon quand même. Alors.
Mais arrêtez de tricher. C'est des proximity ou c'est des time? Vous voulez bien m'excuser une petite seconde? Voilà, excusez-moi, il y avait un chat qui n'avait... qui était quelque part qui n'avait pas du tout le droit d'être. Du coup... Mais il est encore là, ce con ? Allez, viens, je t'attends. T'es mort. T'es endurant. Alors on va essayer de retourner là-bas en évitant de se faire maraver un peu trop. Je sais pas ce qu'ils ont les chats aujourd'hui, mais... ils sont un petit peu pénibles. Peut-être parce qu'il fait plus frais. Du coup, elles sortent tout ce qu'elles voulaient sortir. C'est fermé. Avant. Alors, bon. C'est scientifique à la con. Je crois que j'ai tout. Est-ce que j'ai les deux cartes? Je crois. Normalement, il devrait y avoir un Gus là. Et voilà. Je vais me faire avoir dans le dos encore une fois. Hop. Ah mais t'es là en fait. Ok. Ouais alors. La petite grenade qui ne sert à rien. J'ai le... Non, je peux pas ça. On va utiliser le PP7. Quoi, wow, one shot ou j'hallucine? Ah, wow, j'ai one shot un mec. Ah, va chier, scientifique de merde! Allez hop! T'es moins quand? C'est bon? Il y en a avec deux? Ouais, il y en a avec deux. Je crois que je peux tout faire péter, les deux. Bon, tant pis. On avisera. On s'en fout de machin, ça c'est un agent 00.
L'objectif c'est complet, très bien. Nous sommes donc capables de partir, parce que ces scientifiques à la con ne servent à rien et vont se faire dégommer comme des cocos. Bon, cette fois-ci, on ne recule pas. Non mais les gars, sérieusement, c'est chiant. Tirez-vous, voilà, merci. Quoi, la porte elle est fermée? J'ai oublié quoi? J'ai pas détruit quelque chose? Attends. Bah, c'est bon. Bah j'ai... Ah merde, il me manque une carte. Oh là là. Oh là là, ça va être chiant. Oh là là, ça va être long de retrouver le mec qui avait la carte. Oh là là. Ce que je peux essayer de faire, c'est... Ouais, je vais pas réussir à appâter les gars. Ce serait trop con. Ah, ça, c'est le genre de choses qui me... qui, très honnêtement, me fait chier. Il reste un mec quelque part qui, potentiellement, a une, carte d'accès. Et du coup, faut que... Ah, j'avais pas pris de munitions. Et du coup, faut que je le trouve. Ah, ça va être chiant. Péter la tourelle de tir. Donc celle-là. C'est ça ? Mais j'ai peut-être tué le gars et laissé à la porte d'entrée la carte parce que je l'ai pas vu. Non. Ah voilà, code carte. Donc je sais pas quel mec l'avait. Je sais pas où il a spawné, je sais rien du tout, mais j'étais là. Donc, parfois, tu passes pas sur un objet et puis du coup, tu le récupères pas, c'est un peu... Ça semble logique à l'époque. Ça, c'était un mécanisme de jeu qui était fait partout. Donc ça semblait assez logique que ça se passe comme ça, mais je trouve personnellement... Que pour les objets qui te permettent de continuer à partir du moment où tu butes le mec, si tu le laisses tomber de côté, c'est de la perte de temps pour pas grand chose. Oh, allez, vas-y, vas-y. Voilà. Ah, j'arrive pas à viser. Ah, j'arrive pas à viser, ça va me faire chier. Est-ce que j'ai des mines de... Bon, je vais mettre une mine, tiens, ça va faire les pieds. Bah, j'ai des mines de... Oula.
Ils sont tous morts, les mecs? Ou pas? Bon, je vais prendre un peu de temps. On va pas bourrer bêtement. Il y a des gens encore après. Est-ce qu'il y a encore des mecs? Ah oui. Pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. Ouh, mission compliquée. Mais bon, James, grand homme, se pose tranquillement dans l'ascenseur. Ah, bah je serais pas mécontent d'avoir fini, hein, quand même. Ah là, cette mission. Celle-là, elle est vraiment casse-cul. Casse-cul. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Non, j'ai mon PP7. Bon, bah, tant mieux. Ça, c'est une mission que j'avais vraiment trouvé pénible parce que, en soi, la mission est pas complètement dégueu, mais les ennemis arrivent de façon complètement débile. Oups. Tu dois faire des trucs, mais tu sais pas quoi. Écoute mec, en fait, moi je pense que on est parti du mauvais pied. Je dois pas du tout faire ça. Damage boost, évidemment. Je sais que je dois arrêter le chrono et tout, mais... C'est juste tellement impossible. Faudrait que je prenne plus de temps. C'est quoi cette explosion à deux balles? Bon, on va mourir, voilà. Ouais, Pierce Brosnan a changé la sortie, exactement. Alors, on va mourir et on va la retenter en intelligent. Il y a un mec là. Mais meurt. Monsieur, faut mourir au bout d'un moment. Ça me fait économiser de la munition quand je fais ça. Plutôt que de bourrer comme un âne. Ouais, je vais être obligé. Allez, touche-la. Okay. Voilà. Il me tire dessus, bon. Alec, on était potes, mec. Sean, qu'est-ce que tu fous? Mais descends, vise-le, auto-scroll comme il faut. Auto-vise comme il faut. Ah bah des munitions, c'est pas trop tôt. Oh là là, puis je me prends tellement des dégâts.
Bah, il faut que j'aille là en bas, non? Monsieur, arrêtez, vous êtes pénible. Aïe. Merde, j'ai perdu la position de mon ennemi juré. Et je suis en train de me faire maraver. Bien, fantastique. Allez, voiture. T'es où, Alec? Alec? Alec, arrête d'invoquer des sbires à l'infini. Putain, c'est nécromancien, quoi. Ah, Travelian. Je t'ai jamais aimé! Parce que normalement, tu serais mort 10 fois, mec. Moi aussi, en passant. J'ai plus de mule! Travelian, rends-toi! T'as aucune chance! Mais c'est pas là qu'il faut que j'aille! Ah merde! Voilà! C'est ça qu'on regarde pas le sol. Mais il me semble que tu peux le faire vraiment. La mission vraiment. Vraiment super vite. Une invasion de mouches à fruits. Ah, les drosophiles. Alors tu as deux possibilités du coup. Soit tu nettoies un petit peu les potentielles sources de nourriture de ces braves bêtes. Soit tu te reconvertis en biologiste et généticien. C'est mort ou c'est pas mort ça? On va tout de suite si c'est pas mort ça. Allez, mais... Putain. Ouais, foutez-moi la paix, les mecs. Arrêtez de me tirer dessus, ok. On se calme tout de suite. Ça m'est souvent arrivé aussi d'avoir très envie de faire du lance-flamme. Mais, oh! Et c'est moi ou il y a un problème, là? Sérieux, les mecs, ils me tapent, ça cancel mes attaques. C'est pas très cool, mais... Soit tu manges les... Oh putain. Soit tu manges les fouilles, ouais. J'ai joué comme une merde. Bon, l'avantage des drosophiles, c'est que ça meurt vite. Donc ça... Ou alors t'achètes simplement un... Ah, le son des cloches, bah c'est les cloches qui sont à côté de chez moi. Tu peux acheter un... Ah putain, des pièges à mouches. Ça marche bien. Putain, mais... Oh! Ça c'est... Je crois que c'est le truc qui m'énerve le plus dans le jeu vidéo, c'est quand tu peux rien faire. Ah non, mais t'es pas obligé d'en acheter, tu peux les fabriquer.
t'as un bout de scotch et du miel, tu peux le faire toi-même. Du sirop d'érable. Ah bon, ouais, voilà. Là, c'est plus difficile. Ah, si t'aimes la difficulté aussi. Oui, bien, alors on... Mais il est pas mort. Ah si. Oh là là, oh là là, c'est quoi cette merde? Et là, je vais me faire aggro par notre alien. Non, faut pas que t'ailles là, mec. Comment on le pousse déjà à descendre? Je sais plus. Il faut que je lui mette un certain nombre de coups ou est-ce qu'il le fait naturellement au bout d'un moment? Si, il a lâché une grenade vite fait là. Tranquillou. Tout se passe bien. Bah, en fait, c'est rien que je lui tire dessus. Cassos, mec. J'ai pas de temps pour toi. Je suis à poursuite de mon ex meilleur pote. Putain, et je me rate. Ouais, tu prends du scotch, du miel, une punaise. Tu trempes ton morceau de scotch, tu sais, le scotch brun, merde, épais. Tu badigeonnes de miel. Et puis tu pendouilles ça. Pendouiller avec la punaise. T'évites de le laisser. Bon, tu t'étales le miel comme il faut pour pas que quand ça coule, ça tâche ton plancher ou je sais pas quoi. Tu peux mettre une assiette en dessous, si tu veux. Mais ça marche très bien. Bah, à partir du moment où elles vont rester collées et du coup ne pas pouvoir se déplacer et finir par crever, il n'y a pas tellement de risque en fait. Le problème du pot de miel, c'est que tu vas gâcher tout ton miel. Donc autant juste le mettre sur un bout de feuille. Enfin, un peu étroit. Si tu utilises juste le pot de miel et que tu l'ouvres, tu vas avoir d'autres trucs. Allez, reviens à la maison, j'ai les mêmes. Ah, mais dégage, toi! Ah! Ça me tombe, ça! Non, non, non! Non, ça marche très bien, le truc avec le miel sur du papier, sur du scotch. Mais allez, qu'il faut descendre là. Monsieur. Putain, toi dégage avec ta tronche de cake. Alec, arrête de faire ton... Arrête de faire ton andouille. Maman a dit qu'il fallait qu'on rentre. Ah, c'est facile de dire ça alors que t'as des sbires, mec.
Moi aussi, si j'ai des sbires, je peux gérer le truc. Je suis désolé, je peux pas te lire. Je peux pas te lire tout de suite, Hirero. Finish the job, ok. Ça pourrait être ça, ouais. Allez. On va lui maraver. Mais descends. Non. Chier. Mais c'est bien. Mais tu vois du monde comme ça aussi. Bon, en gros, il faut lui tirer un certain nombre de balles dessus. Très bien. Je sais plus quel était le trigger. Ou alors lui faire son petit parcours, mais bon, comme je ne résiste pas à l'envie de tirer sur les gens. Ils vont se calmer. Ah bah c'est con. Un truc sucré et gluant. Du sirop d'érable, ça aussi. Bon, toi t'es mort, putain. Allez, reviens à la maison. Ah merde, j'ai plus... Comme ça. Ah mais c'est déjà cassé, pardon. Non, je pense que j'ai pas. Et si t'as moyen d'avoir du miel, pas du miel trop liquide, du miel plutôt dur, c'est tip top. Le dernier truc que je peux te proposer, c'est de faire du caramel quand tu mets du sucre dans une casserole. Alec, fais pas le con, va te suicider. Alec, on tire pas sur ses copains. Maman, elle a dit qu'il fallait... Alors, les mecs, là, vous me cassez les couilles. Là, vraiment. Oh, putain, je me fais... maraver par ce con. Non mais faut arrêter là, oh. Je sais pas qui a balancé là. Hein. Ah mais non, mais j'en ai marre. Ah. Chier ces bottes. Bon, on va bien y arriver. J'étais bien parti la fois, je comprends pas. Heureusement qu'il y a quand même un gilet pare-balles ici. Ils sont pas dans la merde. Lève ton flingue, il y a un mec au-dessus. Non, mais alors si tu commences à te faire toucher maintenant, mon grand, ça va bien.
ils sont chiants. Allez, je me vautre. Faudrait que je ferme la porte derrière moi pour éviter de me faire houspiller. Cassez-vous. J'ai pas le temps. Je suis en mode speedrun. J'ai pas le temps, monsieur. J'ai pas le temps. J'ai un contrat pour un gros bonnet des aspirateurs pour arrêter de déconner. Bah, allons, tu vas pas me tirer dessus. On est potes. Non, toi pas. Toi, tu dégages. T'as vu. Chiotte. Ta vie, je m'en fous. Waouh, la grenade! Elle est passée. Il est passé par en bas ou il est passé par en haut? Ah, il est là. Non, me tire pas dessus, on est copains. On est copains! Les petits bouts. Arrêtez, monsieur, on est copains. Bon, si on y allait, mec. Merci. Ah non, mais merde, putain, mais... Toi, tu dégages. On récupère un peu de mule. Toi, tu tombes pas. Merci. Ce serait de la low. Voilà. Now, for me. Oups, je suis tombé. Oh, et le petit jump, ça se pêche. Tu prends une bouteille, tu mets du sirop à boire, sauf de menthe dans un verre, et le wood doji. Ouais, aussi. Ouais. Effectivement. Ouais, ce que tu peux faire comme piège aussi à la con, bah c'est ça. Tu prends ta bouteille, tu la coupes ici, tu la remplis avec un liquide sucré, puis tu retournes le gobelet. Ça marche bien pour les abeilles et les machins. Ah. Bon, le live est fini, mon dieu. Ça a été dur. Est-ce que j'ai encore droppé Non. Ok, donc je sais pas, à un moment donné j'ai droppé un peu de... un peu d'image, mais... Non, je sais pas. Bah, sur ce merveilleux générique... Excusez-moi, j'ai des SMS. Merci pour le follow, Emo Mimi. Merci Tanda. Je vais pouvoir les mettre dans les jeux finis. Très bien. Bon, allez, on se fait le full, on débloque tous les. On débloque tous les bonus, les niveaux secrets. Ah, si j'ai les niveaux spéciaux, je le ferai. Mais je crois qu'il faut être en agent 00. Yeah. Bon,
Est-ce que je peux passer ça? Non, d'accord. Allez, c'est... Ouh là 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 là. Boris Grishenko. Soldarus. Heureusement qu'on voit, qu'on les voit bien, hein, les mecs. Scientifique de merde. Oh la vache. Oh là là. Il y en a qui ont des têtes à faire peur, quoi. Civil, avec un pistolet, hein. Alors écoute, c'est déjà fait. J'ai déjà fini Diablo en mode infernal. Ça a été compliqué. Mais ça a déjà été fait. Ah, Aztec. Bah écoute, on va continuer. Reprogrammer le machin, ok. Bon, on va faire les missions bonus si on peut. Ce serait dommage. Aztec, c'est le baron samedi. Ouais, je crois. Ah, quoique. Ouais, mais déjà, juste là, je vais me faire tuer. Wow! T'as jamais appris à dire bonjour avant de tirer? Oh putain. Oh putain. Je me souvenais pas que c'était si violent. Et ouais mec, et ouais, faut pas déconner. Ah ouais, voilà. Ah non mais j'en ai... Oh là. Diablo 2, je l'ai pas mal platiné quand même. J'en ai bien bien chié. Mais je l'ai pas mal platiné. J'ai fini le mode normal avec tous les persos. Oups. Au moins une fois. Non mais, attends, je suis... Ok, je suis... Pourquoi je vise? Le jeu le fait pour moi. Pourquoi viser? Waouh, je me souvenais pas qu'il était si violent, ce niveau. Ok, Jao pour le... Ok. Ça marche. Ben du coup je vais courir tout droit et je vais serrer les fesses et me cacher derrière un pilier. Bon, ça règle la question. Voilà, ça c'est fait. On va s'emmerder. Ah, oh la vache. Ouais. Ouah ! Oh là 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 là, la violence ! Ouais, je vais affronter requin. Je vais essayer de battre les 5 premiers gardes du niveau déjà. Après, j'irai affronter requin. C'est dans celui-là qu'il y a le laser? Je me souvenais pas que les niveaux étaient si violents. Cours. Ah mais ça sert à rien. Bon ok, ils sont de chaque côté. Oh là 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 là. Mais... Et le niveau, je vise automatiquement, ça te ferait mal au sac aussi, ouais. Wouah, et les mecs ils savent viser, c'est plus des Stormtroopers. Oh là là. Bon, on va essayer de jouer un peu mieux.
que là... Non mais sérieusement, ils font des dégâts de malade. C'est quoi comme arme? Ah oui, d'accord. Bon, on va s'infiltrer. Aïe, 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 aïe. Monsieur, arrêtez vos simagrées. Oh, fuck moi. Sérieusement, je suis pas complètement fou, quoi. J'ai vu une grenade, mais je sais pas s'il l'a lancée ou pas. Ah, voilà. Mais avance! Avance, con! Ah merde, il y en a un de l'autre côté, je crois qu'il y avait pas. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que cet homme fait? Mais cet homme est fou? Puis les mecs, évidemment, ils ont que des fusils d'assaut. Oh là là, mais ils sont combien? C'est quoi ce complexe ennemi bien défendu? C'est quoi ça? Moi, j'ai pas signé pour ça, moi. Oui, d'accord. Les gardes sont par deux et tout, mais c'est quoi cette histoire? Ok. La fuite est perdue. Ah ouais, target 9 minutes. Faut que je fasse le niveau en moins de 9 minutes. C'est faisable ça? Franchement? Réellement? Vraiment? Bon, petit courant d'air. Hein. Oui, non mais ça c'est pas... Vas-y. Tire-lui dans l'arme aussi, c'est une bonne idée. Bon, heureusement, il s'est agenouillé. Bon, là, ça commence mieux. Mais non, le monsieur du fond, tu devais sortir une grenade. Comme ça, après, je te tirais dessus, tout le monde était content. Tout se passait bien, on va ouvrir la porte, bordel. Alors bon, on va se relever. Ah, j'ai plus de mule. Ah, une grenade. Très bien. Effectivement. Le rangement, souvent, à deux, c'est moins chiant. Là ça va, je commence à donner le tout, mais ça a été violent le début. Là dans ma mémoire c'est la cata, il y a des mecs partout, c'est la merde. Ouais.
chou. Il y en a un au fond, oui, voilà. Normalement, je crois que c'est bon. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir, je sais pas ce que c'est. Voilà la vache. Ouh là là. Ils sont beaucoup. On ne peut pas se mettre à côté des ordinateurs qui explosent. Bon, les mecs, c'est les mêmes qu'avant. Hein. Le gars hyper zen. Pas de soucis. Je regarde devant moi. Style... garde anglais. Mais il n'y a pas le laser dessus. Ah bon. Ah oui, voilà. Alors... Ok, ok, ok. Oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qui se passe? Qui me mitraille? Qui êtes-vous pour ainsi me mitrailler? Qui vous a donné le droit? Je sais pas ce que je fais. Oh là, oh là. Je la sens pas, on se dépêche. Je savais bien qu'il allait y avoir une emmerde. Je suis vraiment mort comme un caca. Est-ce que vous m'avez encore comme il faut? Est-ce que j'ai le... Voilà, je vais essayer ça comme ça. Parce que j'ai l'aperçu vidéo qui est décédé. Vas-y. Ok. Bah alors c'est l'aperçu vidéo. Oh là là, mais c'est de la merde ça. Ah, ça m'énerve. Ok. Les derniers tirs, en fait, c'était parce que... Oups. J'ai complètement oublié qu'il y avait deux ponts là. Mais si... Les derniers tirs que j'ai fait, c'était simplement parce que je regardais les chats et du coup, je savais pas si le mec était mort. J'ai mon aperçu vidéo qui est mort, c'est pas grave en soi, mais si jamais il y a un problème qui... Oups. Si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à crier. Hop là. Bon, on va faire du la... on va faire de l'aggro. Voilà. Bonjour, oh, voyeur, on nous attaque.
Encore. Quelle bonne idée de recharger juste avant de recevoir la visite d'un mec qui veut me tuer. Ça, c'est bien, ça. Est-ce qu'il m'a vu? On dirait. Alors, 1, 2, 3, il y en a 5 de base dans la scène, je crois. Alors ça, j'aime pas non plus, monsieur, parce que c'est de la triche. Voilà. J'ai pris toutes les mines, sérieusement. J'ai déjà claqué tout ça. Non. Waouh. J'ai pas... Excusez-moi. Une fois plus, j'ai pas coupé le micro pour tousser. C'est pas très... Pas très gentil. Bah c'était pour l'attirer, évidemment. Vous aurez tout à fait compris ma stratégie. Oh mec, arrête! Connard. Tout ça, c'est pas grave en fait. Là. On récupère le machin, on passe ici. On évite tant que. Ah, il a le laser! Mais non, ça ne ressemblait pas à un tir raté, voyons. Voyons, allons, les strats, les prostrats. C'est qui le streamer ici? C'est moi ou c'est toi? C'était pas un tir raté. Si je te dis que c'était un tir pour l'attirer, c'était un tir pour l'attirer. Vraiment. Voyons. Bon, par contre, j'ai quand même l'impression d'être vachement nul. Hein. Bah, je dis pas que j'étais bon avant non plus, mais là... Mais qu'est-ce qu'il peut... Mais monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous positionnez pour me tirer dessus? Mais c'est quoi, c'est méchant? Ouais, non, mais bon, là, c'est bon, je recommence. Hein. Ouais, génial. Bon, mais... Pas déconner. Exactement. Tir de suppression. Je sais pas ce que ça supprime, mais... Je crois qu'il est pas mort. Arrête avec ta grenade, tu crois que tu fais le malin? Hein? Tiens, pop dans les genoux! Le mec vient de se faire tirer dans les pieds, il se demande pas ce qui se passe. Alors ça, je trouve ça très drôle. Mais il en balance en plus. J'ai quand même jamais compris... Les gardes qui possèdent des grenades. C'est quoi le mot d'ordre de la part du boss? Bon les gars, écoutez, si jamais on nous attaque, balancez les grenades. Après tout, on n'est pas dans un complexe fermé, ça va aller. Tire dans le genou, moi. De mes nouvelles. Enfin, je vais finir par faire en facile, hein, moi, ce niveau.
Alors, même technique qu'avant, on aggro. Ah ! Je pense que ça devrait le motiver à sortir de sa cachette. Voilà. Coucou. Ah ! Putain. De nouveau des tirs ratés à la con. Ça devrait pas arriver ça. Mais. C'est assez pénible parce que le tir de. La visée automatique met. 2-3 secondes avant de s'enclencher et du coup c'est très très chiant. Ah bah là ils sont quand même réveillés un peu les mecs. Des gourdis comme ça. Merde, du coup c'est un gars. Alors là, il y en a un qui va se planter. Et une fois de plus, ça cancel mes attaques et du coup, je me fais maraver. C'est très bien. Oh là là, j'ai pas fait. C'est ma faute, c'est ma faute. Quelle heure il est ? 23h bientôt. Ce serait dommage. Oh, miaou miaou, petit chat. Miaou miaou. Bon, on aura fini GoldenEye, niveau bonus, c'est bonus. Comme on dit. Par contre, je suis déçu, j'ai pas... J'ai pas déverrouillé de code. Je suis déçu. Ouais non, la difficulté elle est clairement... ils font des dégâts de malade avec les fusils d'assaut. C'est impressionnant. Pourtant, j'ai pas changé la difficulté, hein, mais les fusils d'assaut font très très mal. Et comme je l'ai dit, le lock, enfin le tir, la visée automatique, mais une deux secondes à s'enclencher, et du coup c'est très pénalisant, parce que je compte beaucoup dessus. Et alors si je fais déjà de la merde aussi. Vu que la visée de base est assez dégueulasse. Bon, puis j'y ai aussi été en version touriste. Hein. Je me suis clairement pas dit, tiens, ça va être difficile. Là, c'est plutôt version Totolo, petite promenade de santé, truc peinard. Non, le jeu de base en 0-0 est vraiment dur. Les ennemis font des dégâts de malade. Toi, de ton côté, t'as pas du tout de... Très très peu de... de gilet pare-balles. Le jeu en agent 0-0 est vraiment difficile. Faut pas... Non mais ça, c'est... là c'est moi qui joue comme une merde, très clairement. Ouais. Je joue moins bien que ce que j'aurais pu jouer... Parce que je jouais avant. Je suis en mode un peu... C'est... Waouh. C'est moi ou tu viens de péter la console, espèce de sac à fion? Ah merde. Comment je fais? Monsieur? Derrière? Ah oui, je suis en normal, là. Oh merde. Bon, ben, on va passer par ailleurs. Hein. Pas vraiment de choix.
Non, j'ai pas essayé Vite Genius. Mais là, je vais rencontrer Wakan. Ça va pas ça. Je vais me faire tout shot. Wow. Ça mitraille. Mais l'IA a saboté plusieurs fois la partie. Vraiment une IA sale, comme on dit. Le mec m'a pas vu. Lui, il a les deux fusils d'assaut. Un dans chaque main, vas-y, fast touch. Je sais même pas si c'est possible de buter. Ouais, si, c'est bon. J'ai rempli un objectif avec ces conneries, moi. On me tire dessus à coup de laser, j'aime pas ça. Ah, mais voilà, du coup j'ai l'impression que je peux rien faire du tout. Chier. Ok, bah je vais regarder Evil Genius alors, je vais essayer de voir ça. C'est compliqué, messieurs, c'est compliqué. Messieurs, dames, je sais pas s'il y a une dame sur le chat. Mais dans le doute, galanterie. Allez, je fais un dernier essai, et puis après, il est déjà 23h. Il fait 6h que je stream, Bon, je vais me casser, machin, envoyer une grenade. Je pense que... Voilà, tiens, je t'achève, tu dois avoir mal. D'accord, oui. Alors, messieurs, dames... Ah mais non, mais... Ah. Ok, chouette. Ça développe le lore de James Bond. Un petit sou. Allez, deux autres, amenez-vous. Les cloches, c'est pour l'heure. Tu n'as jamais entendu de cloche d'église, Emomini ? Allez hop, je me mets là. Mais il faut deux chargeurs à billes, machin. Aïe, aïe. L'avantage, c'est que quand tu es dans ses bras musclés, tu... Là, ça pue. Bah en fait on s'y fait. Disons que c'est pas ce qui me dérange le plus. J'ai toujours vécu à côté de cloches, etc. Oula.
les Moonrakers. Ok, bah concrètement, elles sonnent tous les quarts d'heure. Donc le premier quart de l'heure, elles sonnent une fois, la demi, elles sonnent deux fois, les trois quarts, elles sonnent trois fois. Et puis à chaque heure pleine, elles sonnent quatre fois et elles sonnent le nombre de... Bah ça m'embête de laisser ça. Ah si, j'ai débloqué un cheat. Magnum. Oh. Ah bah j'ai pas fini celui-là, je peux pas voir celui-là. Elle sonne l'heure... l'heure que tu as. Jusqu'à 12. Après elle... Oui. Est-ce que ça traverse les murs? Est-ce que si je me souviens bien, ça traverse? Mais arrêtez, faut arrêter de déconner. Ça tue pas auto. Alors celle-ci a une particularité extrêmement sale, c'est qu'elle a tendance à sonner deux fois chaque heure. Donc elle sonne à l'heure pleine et elle sonne l'heure pleine une fois 3 minutes après. Donc ça c'est chiant. Mais sinon, toi. Ah, mais c'est cool tout ça. Bah, il faut vraiment que je regarde. Ouais, c'est aussi une façon de sonner. Là, c'est pas une église, hein. Là, c'est l'hôtel de ville. Ah oui, il y a un machin. Ah, le magnum. Mais je referais bien le jeu pour essayer de débloquer un maximum de codes, notamment le code avec toutes les armes. Ça, c'est très très cool. Non, faut pas taper. Là, il y a un scientifique à la con qui va essayer de se barrer. Ah non, c'est là-bas. Ok. Bonjour, messieurs. Bienvenue. Oh, il y en a encore un, il y en a trois. Donc. Déçu. Mais mourez. Bah t'habites où, Mimi? Ah, excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Ouais, bah imagine-toi, je vis en Suisse, un petit peu près ça aussi. C'est très conservateur. Bon, à part ça, j'ai dit que j'arrêtais, mais je vais me faire une mission. Ah, voilà, ok. Paf. Paf.
C'est vrai, les églises sont en voie de disparition au Québec. Ouvrez! Ouvrez! Je sais que vous m'entendez tirer! Oh putain, je tire sur n'importe quoi. Ah voilà! Ah non, mais faut que je laisse ouvrir la porte. Fidèle de me demander poliment. Tais-toi, cadavre sur pattes. Bonjour, monsieur Bond. Bon, excuse-moi, gros, mais j'ai. Il faut que je fasse des gens. Oui, mais il y a eu la guerre, hein. Entre autres pour l'effort. La Suisse, tu penses bien que. Mais effectivement. C'est une question extrêmement personnelle au final, la religion. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut venir m'ouvrir la porte? Merci. Vous êtes bien urbain. Vous êtes vraiment gentil. Ah, mais il faut pas. Pourquoi vous êtes si violent? Pourquoi ne pas vivre d'amour et d'eau fraîche? Non, la religion, ça regarde que les gens. Au final, c'est quelque chose de très personnel. Je trouve que. On a trop tendance à. Merci. Salut Alec. À intervenir dans la, de ce que pensent les gens, les autres, etc. Monsieur Travalian, s'il vous plaît. Ah, je ne suis pas suisse. Attention. Mais tu me passes les mines, monsieur, ou pas? Ah, mais j'en ai vu. Mais vas-y, bon. Ah merde, j'ai buté Alec. Tant pis. Oui, la garde suisse, effectivement. Quoi? Rendez-vous avec 006? Bah, vas-y. Alors, c'est pas tout à fait vrai, Cirero. Les Suisses romans sont pas forcément plus représentés dans la garde suisse. Mais c'est vrai qu'il y a une forte identité avec les gardes suisses. Donc, je connais des gens qui veulent y aller ou qui auraient voulu y aller, etc. Donc il y a pas mal de choses. Bien, messieurs, dames, eh bien nous avons fini GoldenEye. Peut-être que je reprendrai pour me détendre une fois l'émission spéciale, mais le terme détente n'est pas forcément d'à propos. Demain soir, je ne stream pas sur Twitch, mais je serai sur YouTube pour un tuto. Effectivement, je vais buter le méchant de plus. Pour un tuto GIMP After Effects, donc sur YouTube. La prochaine fois que je. Je mets déjà le machin en pause parce que. C'est vrai. La prochaine fois que je. Streamerai sur Twitch, ce sera sans doute jeudi soir. Ce sera sans doute là, 20h peut-être. Jeter un œil. Cirero, si tu streams, entre temps, je peux aussi squatter chez toi en fait. Voire même jeudi en fait. On verra bien. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Je pense que je vais commencer un jeu Sega. J'ai bien envie de commencer La Légende de Thor. Oui, effectivement, mais maintenant c'est assez équilibré.
Suisse alémanique aussi vont la guerre suisse. Donc j'ai bien envie de commencer la légende de Thor sur Mega Drive. Sirero, il y a encore une condition, c'est de célibataire. Ouais, c'est célibataire. Donc du coup, voilà. Merci pour votre soutien et votre participation à cette merveilleuse aventure que fut GoldenEye. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis eh bien à très bientôt. À demain sur YouTube si vous y êtes. Sinon, à jeudi sur Twitch. Bisous, bisous.